Dommage. Dommage. Si j'avais eu un meilleur armement, j'aurais pu le gérer, il était nul. Putain de merde. Suis où? Dommage. Il a tanké 10 balles, ouais, c'est de la merde le petit pistolet mitrailleur que j'avais. Après, il me restait que l'arc, donc ça aurait été compliqué. Alors que lui, avec l'arbalète, c'est un tir, je suis mort. Deux tirs, deux tirs. Il m'en avait mis un avant, je crois. Et j'avais pas eu le temps de me soigner. Ouais, dommage. C'est pas grave, je me vengerai. Arrive un moment, j'aurai un meilleur équipement et il restera toujours aussi nul. Non, faut que je me refasse un arc en vitesse et qu'on refasse une autre mission pour récupérer du matos. Là, il y a des IA. Ah, et c'est ici le sanctuaire, je pense. Faisons l'arc. Requin Québec, d'accord, ok. Il n'y a pas le même pseudo sur Twitch. La corde. Ah, la corde, la corde, la corde, la corde. Et après, c'est quoi qu'il faut? Juste le bois et j'ai le bois qu'il faut. Nickel. Hop. Et ensuite, quelques munitions. Là, il va me falloir les deux. Salut Jérémy, bienvenue. Bon, c'est peut-être assez. J'aurais dû me soigner en volant en fait, on peut le faire. Je l'ai fait tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de s'arrêter pour... Ouais, 9 flèches, ça suffira peut-être. Ouf. Ils sont où ces cons-là? Raté. Et ils sont deux. Et ils ont des arbalètes. Putain. Arbalète et fusil. Ouah la vache, y a du monde en fait. Je pensais qu'il y en avait que deux. Touché. One shot? Oh, trop bien. Le tir à la tête, hein. Ah, il s'arrête évidemment. Ouais, c'est compliqué avec ce que j'ai, hein. Il va déjà falloir que je repasse des flèches. Y a rien évidemment. Ah, faut que j'aille looter pour trouver une arme ou deux trois trucs. Ouais, lâche-moi ce putain de truc, je sais pas s'ils m'ont vu, je crois que oui, mais je suis pas sûr.
Bon, il est en train de farmer, lui. Ouais, laissons-le. Ah, ça c'est une base. Je vais quand même aller voir dans l'espèce de grue, là, s'il n'y a pas un truc à ramasser. Faudrait que je loot les caisses. Là, on a d'autres schémas, le AK, AKSM, avec le 5,56. D'accord, donc j'ai l'impression que les schémas s'achètent dans les espèces de grues comme ça. Il y en a un aussi au pied, mais bon. IZH, Medix, super, bien joué, c'est bien. Un tir d'AKSM. Bon, je pense qu'il venait de l'acheter. Ah, quelle merde! Faut que je trouve des IA un peu isolés à attaquer pour récupérer 2-3 trucs. Ou alors que je fouille quelques bâtiments histoire de trouver un petit gun au moins, ou un vieux fusil. Un truc qui me permette de me défendre. Parce que là, tant que j'aurai pas un bon armement, je vais me faire souiller, je pense. Et même si je tombe sur des daubes, ça donnera rien. Allez! Ouais, c'est bon là, normalement. Je vais aller voir vers là-haut, il y a des bâtiments. À moins que je sois revenu au même point. Non, pas du tout. Ah oui, ça change. Ça change des autres jeux, même si ça y ressemble, mais c'est différent. Ah oui, il faut la corde. 9 flèches. Et pour l'arc, il va me rester ou pas? Oui. Impec. Allons fouiller par là. Il y a un piaf qui vient de se poser sur sa base juste devant. Je sais pas s'il m'a vu et combien même, je sais pas s'il va m'attaquer. Ça c'est quoi? Ça c'est une base ou c'est... Non, c'est pas une base. Ah, qu'est-ce qu'il fout mon arc? Merci. C'est une fonderie publique? Je pense que c'est une fonderie publique. C'est ça? C'est ça. N'importe qui peut venir ici et fondre ce qu'il veut là-dedans. Donc là, pareil, ça s'est repris de Rust. Hein. Et c'est plutôt pas mal. Surtout pour les nomades. La broyeuse. Donc là, on peut broyer des ressources et récupérer le résultat. Comme j'ai tout fait fondre. Un petit espace communautaire qui sert à rien, mais bon, c'est toujours sympa. Et là, on peut acheter le schéma de l'AK et du Medix. D'accord. Qu'est-ce qu'on obtient ? Y a un truc qui va pas là. Pourquoi ça fond pas?
Ah, il faut mettre du... Y a pas de feu en fait. Putain. Ah oui, il était fictif le truc. Voilà, on obtient le sulfure. Avec la fibre, ça va pas faire long feu. Des fragments de métal. Ok. Et ici dans le broyeur. Bah on n'a rien à mettre. Et ça, je sais pas ce que c'est. Il doit y avoir un truc en haut, je pense. Ouais, je les avais pas vus, les petits canards là. Je sais pas s'ils m'ont capté. Je crois pas, hein, ils se promènent. Hostilité en vue! Ouais, j'aime bien l'arc, mais là, il faut. Il y a peut-être moyen d'avoir un meilleur arc, mais là, l'arc de base. C'est pas ouf. Après, j'ai tiré sur aucun joueur avec l'arc. Peut-être qu'il est efficace contre les joueurs. Mais vu ce que ça a donné sur les IA. Non, mais là, dès que j'ai un peu de matos, je vais aller le. L'épargner dans mon. Dans ma base. Ah. Ouais, je sais comment faire pour grimper. On recharge. Ça se trouve, c'est ce qu'ils ont fait en passant par les montagnes. Impeccable, un coffre. Ça valait le coup de se faire chier. Une pioche. Voilà, j'aurais pas besoin de la refaire au moins. Ok. Trouvons d'autres lieux d'intérêt comme ça pour récupérer des outils, des ressources. Et quand j'en aurai un peu, je. Et j'irai. J'irai au vendeur. Et là, je sais pas vers où me diriger. Suivons les rails. Faire gaffe, il y avait un mec hein, sur la. C'est mon ombre? Oui. Oh la vache, j'ai à peine repéré avec ça! Ah putain! L'ombre de ouf! J'adore le fait de pouvoir piquer dans le jeu pour faire un atterrissage rapide et ça consomme pas d'endurance quand tu piques comme ça. Impec, il avait des ressources lui. Faut pas se déconnecter comme ça en plein milieu de nulle part. Ah, ça insulte un peu dans le chat, ça insulte un peu, ça rage un peu, je vois. C'est rien, t'inquiète pas, tu remourras, ça arrive. Ah, pas mal, il a fait sa base. Vous voyez, c'est assez permissif en fait, hein, le jeu, hein. Ah, je me prends des dégâts. C'est assez permissif, il a mis sa base là et il est un peu. Il est pas trop repéré. Mais malheureusement, moi je peux rentrer. C'est un peu lent, mais on peut rentrer. Après, si jamais c'est chez lui, ça va peut-être l'énerver. 79, waouh, ah, c'est trop long. Oui, je casse ta porte, oui. Alors, la distance d'affichage, j'espère qu'ils vont l'augmenter parce qu'il y a des moments où on le voit même plus, le mec. Ouais, non, laisse tomber, j'ai même pas défoncé un PV. Il faut trop de patience, j'en ai pas assez. On va aller voir là-dedans s'il n'y a pas des petites IA qui traînent, il faudrait qu'elles soient isolées. Si on a une, ça va. Si on a trois, c'est chaud. Non, trois, en vrai, c'est. Ouais, non, si trois, ce serait chaud, en fait. J'ai que 9 flèches. À moins que je réussisse à faire des tirs à la tête directe. Hein.
Salut le roi Burgonde, bienvenue. Ah ouais, il est assez fluide le jeu aussi. Oui, il tourne bien, il est bien optimisé, hein. Je suis en ultra, il est à 160 FPS en moyenne, c'est beau, hein. Pour un jeu qui est même pas encore sorti. Mais... Bon, on a récupéré le marteau, on a récupéré la masse, des flèches. Pourquoi ils se déconnectent au milieu de nulle part, les gens? Ou alors leur base a disparu. Et ils se retrouvent comme des cons ici. Ça, faut en profiter parce que à terme, ça le fera plus. Hein. Les mecs qui se déconnectent comme ça au milieu de nulle part, qui pensent que quand ils se déconnectent, ils sont plus dans le jeu, ça le fera plus. Hein. Ouais, j'ai récupéré un peu par rapport à tout à l'heure. On va aller mettre les plumes à la base déjà. Il y a un truc que je vois pas. Il est où? L'arc, je vais le recycler. Ça, ici. Le corps à corps, je l'ai pas essayé. Pique. La gare, il faudra la faire. Donc, ouais, la map est pas énorme, mais il y a quand même pas mal de points d'intérêt à droite à gauche. C'est plus fourni que Deadside, je trouve. Pourtant, Deadside est plus gros au niveau du terrain, au niveau de la map, mais entre deux villages, c'est quand même relativement assez vide. Alors que là, on a des spots et c'est des spots intéressants, aussi bien pour fouiller que pour acheter des schémas, que pour utiliser le four si t'as pas de four dans ta base, etc., etc. Donc ça, c'est le côté Rust, mais je vois toujours pas le côté DayZ par contre. Allez. Il faut voir quelqu'un. Tirons-nous. Je vais quand même prendre l'arc en main au cas où. Ah. Salut! Allez, je me tire. Je te laisse. Il s'est demandé ce que je branlais. Il s'attendait à se faire attaquer, je pense. Non, je suis pas sûr de te tuer, donc... Eh, mais attends, c'est ma base, toi, non? Putain, l'enfoiré, c'était ma base! J'avais pas vu! Il était en train de péter ma base, ce petit bâtard! Il avait une arbalète. Putain, le petit chien! C'est le mien ou c'est le... Non, c'est... Ouais, on est d'accord que c'est ma base qu'il est en train de péter, ce con! Et moi, normal, je lui dis salut. Ouais, je me tire du coup. Ça sert plus à rien de rester là. Hein. Il va revenir. Quoique. Ouais, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, sans arbalète. Je veux bien l'essayer, mais je sais pas si ça marche avec des flèches. Non. Je sais pas. Vaut peut-être mieux que je me barre quand même. Et
et que j'aille reconstruire dans un endroit un peu moins visible. Ouais, il est plutôt beau le jeu. Oui, il est beau, il tourne bien. J'aime bien le style graphique. Putain, je suis trop con, j'arrive. Oh, tiens, un mec en train de construire sa base. Je lui dis salut, normal, il me dit salut. Ce con, il continue aussi, tout aussi con que moi. Hein. Il continue. Et après, je lui dis, la merde, c'était ma base. Ça me disait quelque chose, ce truc. Ok, normal, il rentre chez moi, il se sert, ce con. Du coup, ouais, si, je vais quand même, la refaire. J'ai pas le temps d'aller, d'aller voir ailleurs. Pas le temps de niaiser. Fils de chien, j'ai pas le temps de tirer. Ah, les fils de pute. Il a dû prendre une éternité à péter des murs. Oui, mais bon. Il avait le temps. Et il est armé. Ah, j'ai trop chioté. Je suis deg, j'avais le temps de tirer. J'ai voulu regarder dans, dans mon inventaire si j'avais récupéré le portail pour le poser. J'avais le temps de tirer, en fait. Il s'est pointé, il a mis du temps à m'aligner. J'aurais eu le temps de tirer, mais je suis pas sûr qu'avec l'arbalète, je l'aurais tué quand même. Il avait un fusil, il avait une arbalète, il avait certainement aussi des équipements pour protéger son petit corps. Son petit corps frêle. De petite pute. De petite pute. Les bases, en fait, il faut pas les laisser en bois. Il faut assez vite, je pense, trouver le schéma qui permet d'avoir le deuxième type de bois. Celui-là, il se casse pas comme ça avec le... Il se casse pas avec les pioches. Vous voyez, alors que celui-là, il se casse. Non, bah c'est pas celui-là. Ouais, je sais pas c'est lequel. Peut-être qu'on peut pas quand même avec le... Avec le bec, il faut quand même au moins... Peut-être au moins le... Faut peut-être au moins le... La pioche. Il y a pas d'ouverture en dessous. Vol. Ah, elle est en train de disparaître la base en fait. Ok. On arrive au moment où la base est en train de se péter toute seule. Je vais réapparaître sur ma base. Je suis con, j'y ai pas pensé. Vite! Il a pas détruit mon nid, ce con. Ouais, ah, il s'est barré. Évidemment, il s'est barré! Mais il a pas... Il a pas pété la porte pour voir ce qu'il y avait dedans. Combien il faut pour refaire la trappe du haut? J'ai assez. Il faut que je me refasse des flèches aussi.
Par contre, je sais pas combien de temps il reste pour l'idole. Ah. Elle est en train de se détruire. Ouais. Je vais aller vendre ce que j'ai au vendeur. Faut juste que je trouve où est le vendeur. Là. Le point là, c'est le point là. J'ai pas de flèche, hein. Tout ça, je vais le vendre. Ah, la hache là aussi, ça vient là. Je sais pas si je prends le temps de faire quelque chose qui me permet de, enfin, de récupérer un peu pour me faire des flèches ou pas. Ah si, quand même, des fois que... Il y en a un qui vient de me tirer dessus, non? On aurait dit que ça tirait pas loin. À l'arc. Ok, un peu de bois. Trois, six, neuf, douze, quinze, dix-huit, vingt et un. C'est bien. C'est assez. On trace. Il y avait du bruit au-dessus là, je sais pas ce que c'était. Ça doit être une base qui est en train de se détruire aussi. Donc, le vendeur. Salut. Ah, je peux rien lui vendre? Ah, le petit bâtard. Bon, c'est pas grave, on va recycler là-dedans. On va recycler ça, 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 ça. Pff, ouais, on va récupérer que les matériaux de base, forcément. J'aurais pas les plumes. Putain de merde. Bon, bah tant pis. Ah non, il veut rien racheter, ce fumier. Je trouve des plumes et vite. Je trouve un truc à fouiller dans le coin qui me donne des plumes. Ouais, là-haut, je crois que c'est une base, c'est pas... Ouais, si c'est une base, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, ça sert à rien. Ou alors faut que je repère un joueur qui dort. En dehors d'une base, je le tue et je récupère comme ça quelques éléments. Comme apparemment les mecs dorment un peu partout. Comme là par exemple. Ah, je vais essayer la batte. Peut-être que je suive les rails. Il y aura peut-être plus de chances de tomber sur un point d'intérêt. Alors on va récupérer ça pour avoir un peu de santé.
Là, il y avait le wagon éventuellement. Oui, il y a des bâtiments à côté. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose dans le wagon. Si, non? Oh putain, je pète la gueule. On peut taper là-dessus avec ça? Oh, génial. Autant pas se faire chier. Bon. Qu'est-ce qu'on a par là? Eh ben, il y a un loot, c'est un point de mission. Ah bah oui. Un mec perché là-haut, je sais pas s'il m'a vu. Pff, je vais faire fumer avec mon arc encore. Ah l'enfoiré, il a tout pris. J'espérais passer derrière lui et... Et prendre ce qui reste. Mais il doit pas rester grand-chose. Si c'est fait chier à tout le monde, c'est pas pour laisser du loot derrière lui. Il m'a vu, il me tire dessus, je crois. Ah putain de vol. Par contre, j'ai l'impression que ça tire à l'arc. S'il a qu'un arc, on peut essayer de se le faire. Faudrait juste que je vois où il est. Je vais me soigner. Et on commence à plus rien voir. C'est quoi ça? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un système de d'XP. Le là à droite. Je pense que c'est un système de level. Oh, il est barré, putain. Ouais, ça va être la merde, on va plus rien voir. De toute façon, je crois pas que c'était lui qui tirait, hein.
Je recycle tout. Pendant que je suis là, tant qu'à faire, je comprends pourquoi l'autre est venu là. J'ai l'impression que ça tire. Il est mort. Waouh. Bien fait de le tuer. Ouais, je lui laisse rien. Et je me tire d'ici. Un jour on meurt, un jour on tue. C'est comme ça. Il y a moyen de shooter très rapidement. Hein. J'ai pris du temps là pour lui tirer dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment moyen de les shooter très rapidement. Ils bougent pas trop vite les bonhommes. Et je pense qu'en prenant le jeu en main, il y a moyen d'enchaîner les frags assez facilement, assez rapidement. J'ai des plumes, je rentre chez moi. Il faut que je remplisse mon idole avant que tout disparaisse dans ma base. Je crois qu'il a ragé le mec quand j'ai tué. Ouais, mais gros, t'avais des ressources, moi j'en avais pas. Je suis comme tout le monde, je ne fais que de survivre. Ma base. Ok. Elle a pas encore commencé à vraiment dépop. Les plumes. Un jour, c'est trop. Comment je fais déjà? Shift? Non. Contrôle? Non. Clic droit? Non. Lit, tête de con. Clic molette. Un jour, 12 heures. 12h, 6h, 6h, 3h, c'est assez. 4h même. C'est beaucoup trop. Il est quelle heure? On va bientôt s'arrêter. 2h, c'est suffisant. Tout ça va me servir à faire autre chose.